Ça sent pas très bon, le muguet du 1er mai ou du 2 ou du 3, le muguet de mai cette année. On peut même dire que ça pue, hein, l'atmosphère est irrespirable. Je parle bien sûr de l'atmosphère politique, l'atmosphère des affaires. Parce qu'enfin, Madame Le Pen, dont les gens ont observé de très près le discours du 1er mai, alors que les défilés n'ont pas vraiment revêtu une importance très très significative, Madame Le Pen n'a même plus besoin d'utiliser les mots et l'outrance qu'utilisait son père, puisqu'il suffit pour elle d'attendre que le fruit tombe, peut-être. Le fruit est-il mûr, ou plutôt est-il pourri? Parce que quand même, au même moment ou presque, tout ça démarre avec Cahuzac. Hein. Ça a été le premier grand moment. Et puis, on apprend que le fils du ministre des Affaires étrangères, Thomas Fabius, achète un appartement pour 7 millions d'euros, on ne sait pas d'où viennent les 7 millions. Et puis que Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur, a beaucoup de mal à identifier, à justifier l'argent qu'on a découvert chez lui. Sur Claude Guéant d'ailleurs, que son propre camp commence à observer, à commenter avec beaucoup de prudence et de distance, ou alors carrément de violence comme Madame Bachelot, sur Claude Guéant, apparemment, d'après mes renseignements, c'est pas tout à fait fini. Alors, plusieurs conclusions, enfin plusieurs réflexions. D'abord, il faut bien voir que ça intéresse quand même beaucoup les gens, parce que par exemple, Thomas Fabius, sur ce site-là, le site du Point, que vous suivez en ce moment, eh bien, cette affaire, en 48 heures, lui a déjà valu 200 000 visiteurs. Ça intéresse, mais jusqu'où? Deuxièmement, c'est clair que la transparence n'a jamais été aussi forte à cause du web, à cause de la presse, à cause des sites, à cause d'une culture d'investigation qui désormais est établie, à cause de deux pouvoirs, justice et presse, qui souvent travaillent ensemble. Le pipeline entre la presse et la justice, il existe, ça, tout le monde va vous le dire. On ne peut plus enterrer une affaire, c'est aussi simple que cela. Mais il faut faire l'antithèse de ma thèse. D'abord, évidemment, on peut se dire jusqu'où ça va aller, combien de temps ça va durer. N'y aura-t-il pas saturation, lassitude? Le muguet, il est fini. Qu'est-ce qui reste? Il reste des fleurs fanées, il reste un écœurement, et surtout la sensation, peut-être, de la part de l'opinion publique, qui n'est jamais dupe de rien, que on s'attache peut-être un peu trop à ces affaires. L'important, ce sont les chiffres du chômage qui continuent de grimper. L'important, c'est la croissance, dont le moins qu'on puisse dire qu'elle n'explose pas. Est-ce que les médias, nous-mêmes, ne sommes pas en train de sacrifier l'essentiel à l'accessoire? On pourrait aussi vous répondre que l'accessoire est en train de devenir essentiel. En tout cas, tout ce que l'on peut espérer, c'est que les jours qui viennent, malgré toutes les manifestations qui s'annoncent, nous permettent de temps en temps de voir dans un ciel gris et plombé un semblant d'espoir, une petite lumière. Nous l'attendons en tout cas.